Bonjour à tous. Alors là voilà ma box du mois d'avril, Standard Box en 0 mg. Et oui, je suis repassé en 0. Ça me convient un peu mieux pour moi. Et puis je reviendrai certainement un peu plus tard sur la Dripper Box en 3 mg. Parce que ça me convient donc un peu mieux. Et puis ça me permet d'alterner avec plusieurs jus. C'est plutôt sympa. Alors là voilà, je l'ai reçu donc en 10 jours. Avec le week-end en plus de Pâques, il y avait le lundi de férié, 10 jours pour arriver, encore parfait. Hein, je trouve moi en ce moment ça arrive plutôt rapidement. D'autres n'ont pas cette chance apparemment, mais bon. Alors je vous ferai un détail plus précis sur des liquides sur ma page Facebook ou en dessous de cette vidéo-là, car j'ai beaucoup de jus d'avance en ce moment, donc je ne les goûterai pas. Par contre, celui-ci je le connais, pourquoi? Parce que le Transit Vape. Le Bastrait de Limo, je l'ai reçu le mois dernier. Ça fait un doublon du coup. Alors je leur ai envoyé un petit mail et comme d'habitude, ils m'ont répondu assez rapidement dans la journée et puis ils m'ont dit qu'ils me renverront un jus de compensation comme d'habitude, hein. Toujours efficace le SAV avec eux. Si vous avez des doublons d'un mois sur l'autre ou de la casse ou des fuites, prenez toujours une photo et balancez-leur avec un mail et puis ils vous envoient des jus de remplacement. Hein. Et même si tout va bien, franchement, c'est un petit conseil que je donne, c'est que si tout va bien, même si votre box est intact et tout, pas de problème, pas de doublon ou quoi que ce soit, bah prenez une photo quand même, ça pourra vous servir pour le mois d'après, si vous recevez des doublons, comme ça vous pouvez prouver qu'il y avait des doublons, comme ça c'est tout bon, hein. Et puis, je vous l'ai dit, il renvoie des jus, pas de problème. Alors le Transit Vape, il était super bon, celui-là c'est de la cacahuète, noisette, avec un peu de fruits rouges, cerises, tout ça, délicieux, je l'ai vidé la bouteille du mois dernier, et donc avoir un doublon comme ça, limite, c'est très bien, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, du Adam Bomb, il a l'air pas mal celui-ci, le Coco Butter Bomb, on va goûter ça, je le connais pas, un Man Mike's, le Last Cowboy, il sent pas mal le tabac. Un capital de préféré de stock, hein. Excellente marque celle-ci. Un Bickert Flavor, donc le Wizard Sleeve. Je le connais pas, j'ai hâte de le goûter. C'est des bouteilles d'une marque qui paye pas trop de mine, mais je trouve qu'ils ont des bons jus. Hein. Ça, c'est pas trop mal, ça a testé. Donc. Et puis le RLVNT, le Pusher, on va goûter ça aussi. Donc cette vidéo-là, ce mois-ci, ça sera juste pour vous donner quelques petites news de Sample Box, parce que là, en ce moment, il y a quand même pas mal de nouveautés, pas mal de nouveaux jus aussi, plutôt sympathiques, pas mal de concours aussi, hein, que vous pouvez participer, hein, il n'y a pas de problème. Et puis, ils vont annoncer donc bientôt un changement, hein, donc le tarif va suivre aussi, je pense qu'il va augmenter. Et ils vont donc annoncer du nouveau dans le choix de la personnalisation des box. Enfin, j'allais dire, hein, pour voir si ça marche mieux leur nouveau système, on verra bien. Ils ont annoncé aussi une nouvelle formule d'Albo. Ils vont proposer une box avec 3 bouteilles uniquement. Honnêtement, je ne sais pas pour nous en Europe, si, enfin en France, hein, en Europe, ça va être valable, hein, vu les frais de port et tout, pour 3 bouteilles. Enfin, peut-être que pour certains, ça pourra convenir. Hein, écoutez, pourquoi pas. Et puis, en tout cas, pour moi, 3 bouteilles, ça me semble un peu léger avec les frais de port et tout. Donc, je suis pas sûr que pour nous, elle va avoir beaucoup de succès. Mais on verra bien. Ils vont certainement en proposer d'autres. Ils ont déjà rajouté le système des parrainages. Donc, 3 parrains pour une box gratuite. Enfin, 3 filleuls pour une box gratuite. Ça, c'est impeccable. Et puis, ils vont donc annoncer d'ici 2 3 semaines, eh ben, pas mal de nouveautés. On va voir. Donc, du bon, du moins bon, on verra tout ça. En tout cas, moi je vous laisse mon lien en dessous de la vidéo pour si vous voulez devenir mon filleul, hein, si, tout simplement. Si vous cherchez à vous abonner, vous cliquez sur le lien, ça fera un parrainage. Et puis je laisserai en dessous aussi le code pour vous donner les 10% de réduction sur votre première box. Alors je rappelle vite fait, hein, les tarifs, vous ferez les conversions vous-même en euros, puisque le change en ce moment, euro-dollar, ça varie, mais plutôt en notre défaveur en ce moment. Donc en gros, c'est 45$ la standard box qui est devant vous, avec livraison comprise, 45$, et la gold, hein, qui est 11 bouteilles, port compris, ça fait 65$. Vous ferez vous-même les conversions, mais en ce moment, c'est pas bon pour nous. On verra bien d'ici là. Comment que ça se passera? Bah écoutez les amis, moi je vous dis à bientôt et bonne vapeuse.